OK, donc je vais débuter dans une minute ou deux. OK, donc je débute. En fait, j'ai 11h34, donc il faut vraiment que j'y aille. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. OK, donc vous avez vu au dernier cours, malheureusement, la pile était morte, puis ça a eu un effet que la bande vidéo qui était enregistrée n'a plus de son à partir de la 38e minute. Donc, si vous entendez, surtout ceux qui sont derrière, que le microphone ne fonctionne plus, il faut me le dire. Sinon, c'est un peu dommage d'avoir des bandes muettes. Là, ça, ce n'est pas aussi utile. Vous avez vu sur Piazza, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de réponses. Moi, jusqu'à maintenant, je suis assez heureux de ça, là, ça marche pas mal bien. Je publie toutes sortes de choses, dont entre autres des petits sondages comme ça où. Où est-ce que c'est? Je suis pas sur le bon truc. On va aller dans le général. OK. Je ne le retrouve plus. Ah oui, une question de classe. Donc, il y avait un petit test comme ça où je vous présentais du code. Puis, je vous demandais de répondre à une question qui était qu'est-ce que ça affiche? Puis, il y a des choix. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer ces choses-là, puis de ne pas tricher. Ça ne donne rien de demander à quelqu'un d'autre. Les tests sont anonymes. Donc, il y a juste vous qui savez si vous avez bien répondu ou pas. Ça vous permet de justement savoir où vous êtes, est-ce que vous avez bien compris le sujet dont on parlait. Dans ce cas-ci, c'était les variables de classe. Puis après ça me permet de voir. Vous voyez, il y a 63% des étudiants seulement qui ont bien répondu parmi ceux qui ont répondu. Il y en a évidemment juste 16 dans ce cas-là. Donc, je vous invite à visiter fréquemment Piazza. Il y a des réponses à beaucoup de questions pour le devoir. Je ne sais pas si vous voyez, vous, quand vous allez sur Piazza, mais moi, ce que je vois en bas de l'écran, ce que vous voyez, attendez un peu. Ouais, je ne suis pas sûr que vous le voyez, vous. Mais en bas, ça dit le temps que ça prend pour répondre aux questions. Présentement, c'est environ 103 minutes. Donc, vous postez une question, puis d'ici 103 minutes, vous avez une réponse. C'est pas pire. Donc, ça semble bien marcher. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Peut-être pas sur le devoir. Le devoir, je peux rester puis en parler à la fin du cours, mais des aspects techniques ou autres? Des petites questions? Non? OK, ça fait mon affaire. On a pas mal de matériel à couvrir encore. Oui? Ça approche un peu le cours. Parce que, comme tu dis, la classe, on a
OK. Vous allez être probablement 6 minutes en retard. Au lieu de 5. OK. Donc, si vous êtes en retard, là, je ne vous fais pas des gros yeux. Il y avait une bonne raison. C'est ça? Ah! Aujourd'hui, tu me dis. Aujourd'hui, vous avez un test. Fait que tu ne veux pas que je déborde. Oui, c'est ça. Ah, je déborde jamais. OK. Oui, qu'ils foutent le camp. OK. Je vais comprendre. OK. Merci de m'aviser. C'est super utile. OK. Donc, dans la dernière présentation, si vous avez consulté le document pour la dernière présentation, vous avez vu qu'il y a une section à la fin qui s'appelle « What's this? » « This » est un mot réservé, un mot clé de Java. Je ne vais pas en parler tout de suite. C'est important, peut-être pas juste tout de suite. Je vais plutôt sauter directement au concept d'interface. Je trouve que ça va bien avec le fil d'idées qu'on a jusqu'à maintenant. On a beaucoup parlé de types. Vous avez probablement remarqué, là, je pense que chaque cours, j'ai parlé de l'idée de type. Ça s'en va dans le même sens, cette présentation-ci. On va parler de types, mais ceux-là, ils vont être particuliers, ils vont être des types abstraits, des types qui n'auront même pas d'implémentation, même pas de ligne de code pour donner des instructions à l'ordinateur sur la façon de réaliser les opérations de ce type-là. OK. Donc, moi, je suis convaincu qu'il est utile en Java de comprendre ce qu'on veut dire par déclaration de type, déclaration de classe. Donc, les objets, on déclare leur contenu à l'aide d'une classe. Quand je déclare la classe point, je dis tous les objets point qui vont être créés auront les caractéristiques suivantes. Un point possède un x et un y. Une opération getX, une opération getY, setX, setY, move, translate, distance, equals, toString. Puis ça, c'est comme la liste exhaustive des opérations qui sont valides pour un point. Si on fait un petit test ou si j'ouvre une classe test, ici, oui. OK. Donc, je peux maintenant faire point P. Le fait d'avoir créé la classe point me permet de déclarer une variable référence de type point. On peut s'assurer que tout ça compile. On va s'assurer que c'est assez gros pour qu'on voit bien. On s'en va sur, j'ai mis ça sur mon bureau. Java C point. Ça compile, bravo Marcel. Java C, test.java. Hey, ça aussi, ça compile. Fait, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, quand j'ai déclaré la classe point, j'ai déclaré un nouveau type. Je peux utiliser le nom point comme étant le type d'une variable référence. Ensuite, je peux utiliser ce type de données-là, mais il est concret. New point, on va mettre ça aux coordonnées 5, 10, sauvegarde, est-ce que ça compile? Bravo Marcel. Puis ensuite, un élément qui est vraiment important des types, c'est que ça permet au compilateur de faire des vérifications. Donc, si je dis if p.getx plus petit que p.get Y. Compilateur, lui, il regarde puis il dit, Marcel est en train d'utiliser le nom P. Pour le nom P, il utilise l'opération get Y. Est-ce que c'est logique? Est-ce que je vais autoriser ça? Il va voir dans la classe
point. Il voit un get Y. Parfait. Get Y est une opération valide pour le type point. Est-ce que ça, ça a marché? Compile. Ça marche. Par contre, si j'avais dit get Z, compilateur devrait aller dans la classe point. Est-ce qu'il trouve Z, get Z? Ben non, il n'y a pas de get Z. On est heureux que le compilateur ait détecté ça au moment de la compilation, parce que s'il avait compilé ça, qu'on avait envoyé ça chez le client, au moment où le client aurait exécuté le programme, on aurait une erreur au moment de l'exécution. Ici, puisque Java est fortement typé, ce genre d'erreur-là a été détecté au moment de la compilation. On a refusé de compiler le programme parce qu'il y avait une erreur de type. Okay, donc ça, c'est pas mal ce qu'on vient de dire, qu'on peut utiliser la classe point comme type de données. Ça définit la représentation en mémoire, puis les opérations qui sont valides. Puis ça, on va dire que c'est un type. OK, un petit problème de... OK, ça, ça ne marche pas. Probablement que mon crayon a besoin d'être chargé. Donc, dans ce cas-ci, on dit que c'est un type concret parce qu'on lui a donné une implémentation. On a dit, en mémoire, il y a un X et un Y. Il y a des opérations getX dans lesquelles on a mis vraiment du code. On a dit getX, return X. Donc, on a vraiment donné une implémentation concrète des données et des méthodes. Au dernier cours, je vous avais présenté deux implémentations de la classe pair, puis je vous les présente à nouveau. OK? Donc, celle-ci, je lui ai donné le nom pair var, var comme variable, où j'ai utilisé les deux variables de type entier, first and second. Toujours pas mon crayon. Ça va mal, ça? OK. On va réessayer ça. Eh bien. Les mystères de la technologie. OK. Ça, ça marche. OK, donc j'ai deux variables de type entier. J'ai un constructeur. J'ai des opérations getFirst, getSecond, setFirst, setSecond. Puis ce qu'on avait fait au dernier cours, c'est que je vous avais donné une autre implémentation de ça, une autre version. Celle-là, ici, je l'ai appelée pairArray, dans laquelle, au lieu d'avoir deux variables d'instance, j'utilise un tableau pour sauvegarder les éléments. Ce tableau-là, je le crée ici dans mon constructeur. Donc, quand on fait new pair, appel au constructeur. Constructeur, première chose qu'il fait, il crée un tableau. Il prend les first, il met ça à position 0. Il prend second, il met ça à la deuxième position. Ce que je vous avais posé comme question, c'était de l'extérieur, lorsqu'on regarde ces objets-là, on voit seulement les méthodes qui sont publiques. Est-ce que les signatures des méthodes publiques sont les mêmes, c'est-à-dire les noms, le type des paramètres? Puis dans ce cas-ci, est-ce que les valeurs de retour sont les mêmes? Puis vous m'avez dit oui. Puis on avait dit, en fait, je pourrais remplacer l'une par l'autre, puis les programmes qui utilisent pair ne verraient pas de différence. C'est tellement une idée pratique puis forte que Java a une façon
de réaliser ces choses-là dans les programmes. Qu'est-ce que je veux dire par ces choses-là? Une séparation des problèmes. Okay? En anglais, on dit « separation of concerns ». C'est un concept qui est super puissant en informatique. Pas juste là, là vraiment pour votre vie, développement d'applications web, système expert. Quand on divise bien les tâches, implémentation, utilisation, on arrive à faire des programmes réutilisables. Exemple de ça, ce serait, il y a des programmes en intelligence artificielle qui s'appellent des systèmes experts. Les règles sont encodées séparément, possiblement dans un fichier, puis il y a un engin qui peut faire des raisonnements intelligents. L'engin qui fait les raisonnements intelligents est indépendant des règles. Je peux utiliser des règles sur la géologie, j'utilise l'engin, puis là, je me mets à faire des raisonnements intelligents sur la géologie. Je remplace les règles de géologie par des règles de biologie ou de médecine. Je fais des raisonnements intelligents sur des problèmes en médecine ou en biologie. Séparation des problèmes. Application web. Je veux développer une application web. Si on pense, par exemple, à la compagnie qui est super, qui a un grand succès, Shopify, juste de l'autre côté du canal Rideau ici. Je veux écrire un engin qui va me permettre de faire des applications web de façon facile. Puis, je veux que la logique spécifique à une entreprise soit séparée. J'ai un seul engin. On fait une instanciation pour vendre des planches de surf. On a un premier magasin. Je prends le même engin. Je veux vendre maintenant des bijoux à un autre site a été créé. On a séparé une implémentation, dans ce cas-ci, d'un ensemble de règles. Donc, quand on arrive à séparer les choses comme ça, on fait des belles réalisations en informatique. Pour revenir à notre exemple ici, puis au cours, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va définir un type d'une façon particulière, on va appeler ça une interface, puis on va lui donner plusieurs implémentations. Entre autres, on va créer des piles. On va avoir une façon de dire une pile, c'est une structure de données qui a une opération pour empiler des données, une opération pour dépiler des données, puis une opération pour savoir si la pile est vide ou pas. On va avoir une belle représentation abstraite, un contrat qui va dire une pile, c'est ça. Ça possède push, pop, is empty. La façon que c'est implémenté, ce n'est pas grave. Puis là, on va pouvoir écrire du code en fonction de ce type-là, qui fait dans le code des appels push, pop, etc. Compilateur va dire, OK, cette référence-là était de type pile. Une pile possède pop. Parfait, ce code-là est valide. D'un autre côté, on va fournir plusieurs implémentations. Une implémentation qu'on va appeler chaînée, une implémentation à base de tableau. Puis, on va pouvoir les échanger. On va pouvoir dire, hey, je vais tester ce programme-là, mais cette fois-ci, je vais utiliser l'implémentation chaîne, élément chaîné. Je vais mesurer le temps, je vais mesurer la quantité de mémoire utilisée. Ensuite, je vais remplacer l'implémentation par une autre qui utilise des tableaux, même opération, combien ça prend de temps de calcul, de mémoire. Puis ensuite, je peux dire, oh, mais celle-ci était pas mal plus efficace. OK, donc, on veut séparer implémentation et utilisation du type. OK, donc ça, c'était mon petit truc pour vous vendre l'idée un peu. Oui? On va passer 80 minutes là, pour faire ça. Donc, pour l'instant, vous êtes d'accord que les deux implémentations sont interchangeables. OK? Mais ils n'ont pas le même nom.
Il y a un truc, puis j'aimerais vraiment, si je pouvais utiliser mon crayon, là, c'est bête. Est-ce que je fais ça? Okay. Attendez juste une minute. On va faire comme ça. OK. Je pense que c'est pas chargé. C'est ce qui explique la chose. OK. Donc, je vais utiliser mon doigt. Donc, il y a un concept qui s'appelle interface. Syntaxiquement, ça ressemble beaucoup à une déclaration de classe. J'ai écrit public. J'aurais écrit classe. Ici, j'écris interface. Je lui donne un nom. Puis je mets des opérations. Normalement, ici, ces méthodes-là, elles auraient une implémentation, un corps. Dans ce cas-ci, on remplace le corps par un point-virgule. La meilleure analogie que je peux trouver au concept d'interface, c'est qu'on est en train de définir un contrat. On est en train de dire, ce qu'on appelle paire, c'est un type de données qui possède quatre opérations. Une paire a get first, get second, set first, set second. Comment c'est implémenté? Pas grave pour l'instant. OK, je vais, puisque je n'ai pas mon crayon de toute façon, va être plus simple si je programme ces choses-là ici. OK, donc j'ai plus besoin de ça. On va enlever le milieu ici. Ce que j'ai sur mon desktop. OK, je n'ai pas encore. Donc, public interface pair. Comme ça. Je vais sauver ça sur mon desktop, puis je vais appeler ça pair.java. On va voir est-ce que ça compile déjà. Java C, pair.java. Hey, ça compile. Pas pire départ, ça marche. Je suis en train de vous dire que je suis en train de définir un type. Si j'ai défini un type, je devrais être capable de faire pair P, donc de déclarer une référence de type pair. Peut-être que je n'ai pas raison. Ça m'étonnerait, mais quand même. Oh, ça marche. OK. Donc, vraiment, l'interface, j'ai déclaré un type. J'ai pu utiliser le nom pair comme type de la variable P. OK. On va aller une étape plus loin. Ici, on va y aller comme ceci. Disons, c'est private, static, void, test. P, comme ça. Okay, là, je vais utiliser le nom pair comme... Oh, j'avais compilé, j'avais pas compilé la bonne chose. Hey, il fallait me le dire. Vous êtes endormi. Hey, j'ai peut-être fait une grosse bêtise, là. Ah non, ça marche. Bon, ça compile. Donc, j'ai utilisé le nom pair comme type pour le paramètre P. Qu'est-ce que j'ai dans pair? Bien, pas grand-chose pour l'instant, là. Ajoutons quelque chose. Public, abstract. Il y a aussi le mot-clé abstract qui vient. Public, abstract, int, get first. Puis là, dans une interface, on ne donne pas d'implémentation, c'est un contrat. Est-ce que pair compile? Bravo. Est-ce que test fonctionne toujours? Oui. Je vais aller maintenant dans mon test.
Puis là, je n'ai toujours pas d'implémentation. Mais vous allez voir le travail du compilateur. Le compilateur, il fait quoi? Il veut valider les types. OK. If p.get first plus grand que 0, system out, print line, c'est positif. Positif. Comme ça. Est-ce que ça, vous pensez que ça compile? La bonne réponse, ça devrait être oui. Pourquoi il nous montrerait quelque chose qui ne compile pas? Ça serait bizarre. Effectivement. Donc là, pour moi, dans ma tête, ça me dit, ah, c'est vraiment vrai. Compilateur, il regarde P, il dit P est de quel type? C'est de type pair. Est-ce qu'il y a get first dans la déclaration de pair? Ben oui, c'était là. Si on essaie de dire et p.get second plus grand que 0, est-ce que ça, ça va compiler? Non. Bien, on va voir. Il ne faut jamais faire confiance. Il dit, ah, hey, get second, ça n'existe pas. OK. On vient ici. Public. Oh. Abstract. Int. Get second. Comme ça. Puis tant qu'à être là, public. Abstract. Int. Non. Void set first int v, comme ça, un bon vieux copier-coller, set second, fait que notre test compile. Est-ce que pair compile? Ouais, tout est valide pour l'instant. Donc là, ce qu'on a, c'est un contrat. On est en train de dire le type pair, c'est toute chose en Java qui possède get first, get second, set first, set second. Ça donne des indications au compilateur. Quand j'utilise des variables de type pair, il est valide d'utiliser ces quatre méthodes-là. Elles sont déclarées. Oui? On n'a pas d'implémentation encore. OK? Donc, elles vont être, oui. Est-ce que vous connaissez deux classes qui ont des méthodes getFirst, getSecond, setFirst, setSecond? Que vous connaissez deux classes qui auraient ces méthodes-là. Pardon? Hey, vous avez une mémoire de 140 caractères. Oui. Les deux classes, on avait... Oups, là, je vais ici. On avait pair array. Puis... on a pair var. Ce sont deux classes qui possèdent des méthodes getFirst, getSecond, setFirst, setSecond. Oui. Pardon? Pair, et ceci. On vient de définir le type pair. On a dit, ce qu'on appelle en Java ici, dans ce programme-là, pair,
C'est un type, c'est tout objet qui posséderait des méthodes getFirst, getSecond, setFirst, setSecond. Bien, ici, en mettant le mot interface, on m'a permis de ne pas donner d'implémentation. Une interface, c'est un contrat. J'ai dit pair, c'est tout objet qui possède getFirst, getSecond, setFirst, setSecond. Maintenant, il nous reste la grande question, qu'est-ce qu'on peut mettre dans P? Puis il y avait au dernier cours une question que j'avais beaucoup aimée. Quelqu'un disait, est-ce que P est un objet pair? Puis j'avais dit, non, non, si vous pensez, quand vous voyez P, puis vous vous dites, P c'est pair, ça ne marche pas. Il faut se dire, P est une variable référence qui peut désigner des objets qui possèdent des opérations, des méthodes qui sont définies là. Puis vous allez voir que ça va prendre toute sa réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux mettre dans P? Oui? On essaye-tu? New pair array, puis là, on va donner des valeurs, valeurs favorites, 5, 10. OK, non. Quand même, être un petit peu plus original, 15, 21. OK. Qui me dit que ça compile? Une quinzaine sur une soixantaine qui sont ici. Hey, il n'y en a pas beaucoup qui me font confiance, là. Mon orgueil est blessé, là. On compile ça. Oh, shoot! Ça ne marche pas. Je ne suis pas trop surpris, par exemple. Il me dit, ah, ils ne sont pas compatibles, ces types-là. OK. Il nous manquait une chose. Nouvel élément de syntaxe, je vais ici. Pair array implements pair. Oh, ça compile! OK. J'ai parlé de contrat. Pair est un contrat. OK. Dans la classe Pair Array, j'ai écrit dans la signature Pair Array implements pair. Ce que ça veut dire, c'est la classe PairArray a dit « Je, sous-signé PairArray, promets d'implémenter chacune des méthodes qui sont décrites dans l'interface Pair. » C'est-tu vrai, ça? On va, faut jamais faire confiance. On va mettre ça en commentaire. J'enlève getFirst. Si mon idée de contrat tient la route, PairArray ne respecte pas sa partie du contrat. Est-ce qu'on est d'accord? Je recommence. PairArray dit en avec la ligne implements pair. Je, sous-signé PairArray, promets d'implémenter chacune des méthodes de l'interface pair. Est-ce que la classe PairArray remplit son contrat? Mais non. On essaie de compiler
compare array.java. Pair array does not override abstract method get first. Il me l'a dit clairement. Il dit, wow, tu m'as dit que tu étais une paire. Ben, tu as menti. Tu ne m'as pas donné une implémentation pour get first. OK, t'aurais. On renverse la machine, on enlève les commentaires. OK, ça compile. Donc, il y a un contrat entre pair array et l'interface pair. Si pair array déclare qu'elle implémente, qu'elle réalise l'interface pair, pair array doit réaliser toutes les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Donc, ça, c'est une partie du contrat. Ensuite, on a ici la classe test, où on a P de type pair. Tout à l'heure, au début, on a vu que le compilateur, quand il voit P, puis qu'il voit des utilisations du nom P, il s'assure que les opérations se trouvaient dans l'interface. P.getFirst, parfait, c'est dans l'interface, c'est logique, j'autorise ça. P.getSecond, c'est dans l'interface, je l'autorise. On a vu que quand on n'avait pas encore mis getSecond, ça ne le compilait pas. Puis là, on a la dernière partie de l'équation qui dit maintenant, ce serait logique de permettre de sauvegarder la référence d'un objet qui réalise l'interface dans une variable qui est du type de l'interface. Ça ne sera pas dangereux parce que la seule façon que pair array a été compilé, c'est si pair array a donné une implémentation pour chacune des méthodes. Quand j'utilise P de type pair, le compilateur vérifie tout le temps est-ce que P est utilisé de façon consistante par rapport au type pair? Est-ce que j'utilise un getSecond, getFirst? Ouais. Vous voyez l'équation, il y a l'interface, il y a une classe qui réalise l'interface, puis des programmes qui utilisent cette interface-là. On va aller maintenant dans pair var, implements pair. Ça aussi, ça devrait fonctionner, puisque ça fournit les méthodes dont il est question. Tu vois, ça marche. Puis là, on peut même, je vous parlais de l'idée de faire des tests. P, ah ben oui, on va faire juste avec une variable, ça va être plus visuel. Je peux faire test avec P. P est égal à new pair var moins 15, moins 20, moins 15 puis 21. Comme ça. Je vous montre ça là pour que vous voyez. Puis là, je vais faire un autre test. Avec P. Est-ce que ça compile? Hey, pas pire. Vous autres aussi, ça fait ça? À chaque fois que vous tapez quelque chose, vous compilez, ça, pas d'erreur. Quand je faisais mon doctorat, je travaillais avec quelqu'un. Sa recherche, c'est l'implémentation des compilateurs. Donc, l'implémentation des compilateurs, on ne veut pas qu'un compilateur ait des erreurs, parce qu'il produit. Quand on compile nos programmes, il produirait des programmes qui ont des erreurs. Ça serait vraiment. Ces gens-là sont des machines pour coder. Cette personne-là, il pouvait ouvrir un fichier, il tapait des centaines de lignes. Bon, ça a l'air beau, ça.
Save, compile, pas bien. Une vraie machine. Moi, je ne suis pas si pire, mais pas tant que ça. OK. Alors, regardez ça. On va enlever un peu des lignes pour que on voit mieux ce qui se passe. Vous voyez que c'est vraiment facile, la programmation. J'ai appris la semaine passée, fait que c'est pas dur. OK, on a tout ici dans l'écran. On a tout le concept d'interface sur un même écran ici. En haut, la classe, en haut, la méthode test a un paramètre P de type pair. J'ai pu écrire son implémentation avant même d'avoir une implémentation du type pair, parce que j'avais l'interface. J'ai été capable de déclarer ou de faire la déclaration de la méthode test, qui a un paramètre P de type pair. J'étais capable d'écrire P.getFirst. Tout ça parce que pair existait et pair me dit le type pair, c'est un type où il y a quatre opérations de défini, getFirst, getSecond, setFirst, setSecond. Ensuite, j'étais capable de fournir des implémentations de l'interface pair. Pair array en était une. J'ai modifié ma déclaration de pair array pour dire implements pair. Ayant réalisé ça, puis ça ne fonctionnait pas avant que j'ai fait ça, ayant réalisé ça, on me permet maintenant de sauvegarder des objets pair array dans une variable p de type pair. OK? Je vais retourner sur mon iPad. M'assurer qu'on n'a pas oublié des éléments importants. OK, donc ça, c'est l'interface. En fait, dans une interface, on ne peut pas mettre d'implémentation. À partir de Java 8, là, pour une raison quelconque en Californie, ils ont décidé que oui, là, chez Sun Microsystem. Ils ne m'ont pas téléphoné cette fois-là. Mauvaise idée. J'aime pas ça. Fait que pour moi, ça n'existe pas. Une interface, c'est un contrat. On ne peut qu'y mettre la signature des méthodes sans implémentation. Puisqu'on peut seulement mettre des méthodes abstraites, des méthodes qui n'ont pas d'implémentation, on peut même laisser tomber le mot-clé « abstract ». Puis, puisque tout doit être forcément public, ça ne voudrait rien dire d'avoir une interface avec des choses privées, on peut même laisser tomber le mot-clé « public ». C'est implicite, c'est ça que ça veut dire. Si vous regardez la documentation de Java, ils utilisent ce style-là. Donc, une paire ou le type paire signifie des objets qui possèdent getFirst, getSecond, setFirst, setSecond. Puis on a vu déjà que on met ça dans un fichier. Le fichier, il y a le nom de l'interface, pair.java. On compile ça. Puis ça fonctionne. Donc, dans une interface, on peut mettre des constantes, puis on peut mettre des méthodes abstraites. Je vous suggère vraiment juste d'utiliser les interfaces pour mettre que des méthodes abstraites. C'est un contrat. OK, donc on a déjà vu tout ça. On a déjà vu nos deux implémentations. En UML, on a cette représentation-là où on peut utiliser une flèche pointillée avec un petit triangle. Puis là, on est en train d'exprimer cette idée-là. On dit « pairvar réalise l'interface pair », possède des implémentations pour toutes ces méthodes-là. « Pairarray réalise l'interface pair », possède aussi
toutes ces méthodes-là. C'est une façon visuelle de représenter les interfaces. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous donne un vrai exemple encore plus concret? Oui. À quoi sert pair? Ben là, ça nous permet. Ben on a. Dans quel sens ta question? Tu dis pourquoi il a travaillé si fort pour faire ça? Ou? C'est beaucoup plus simple que ça. C'est mon petit texte d'introduction, c'était on veut séparer implémentation d'utilisation. Dans test, j'avais écrit un programme qui utilise le type pair. Je ne me suis pas préoccupé de son implémentation. Ça m'a même permis de faire des choses super le fun, comme deux implémentations. J'ai dit, hey, laquelle qui est la meilleure, laquelle j'aime le mieux? Je peux les remplacer. En anglais, on dirait là, plug and play. Je peux remplacer l'une par l'autre. Je peux même ici, je pourrais ajouter un petit test. Là. Je lance une pièce, if random plus grand que 0.5, j'utilise une implémentation ou l'autre. Ils sont tellement interchangeables. On n'avait pas vérifié si ça fonctionnait, par exemple, mon affaire. Maintenant qu'on a compilé, est-ce qu'on peut faire ça? Donc, pour le premier, ça avait fonctionné ici, positif. Puis on va afficher peut-être juste p.getFirst. On va recompiler ça. Ça compile, on va l'exécuter. Ouais, ça aurait été plus élégant s'il y avait eu un espace, là, mais bon, on n'a pas le temps de jouer avec ça. OK. Donc, pour mieux répondre à ta question, peut-être qu'on devrait regarder un exemple complet. Vraiment quelque chose qui devrait vous convaincre que c'est utile, cette affaire-là. Imaginez un tableau qui contient des éléments à trier. Dans un cas, c'est des entiers. Dans l'autre cas, c'est des personnes. Dans un troisième cas, c'est des items dans un magasin. Dans le quatrième cas, c'est des cartes dans un jeu de cartes, par exemple. Pour faire un exemple vraiment abstrait. Est-ce que l'algorithme de tri est différent si on trie des cartes, si on trie des entiers, si on trie des items, des personnes? Est-ce que l'algorithme est différent? Mais non. Un algorithme de tri, je regarde ce qui est à la première position, je regarde ce qui est à la deuxième. C'est-tu plus grand? Ah non, il était dans le bon ordre. OK, je vais aller regarder le troisième. Je prends des décisions d'échanger les valeurs. C'est le même algorithme. Qu'est-ce qui change pour trier? Oui. De quoi? Du tri? Non, pour chaque type de variable, la comparaison. Donc, pour trier, si on prend le tri par sélection, là, qui est un algorithme facile, là, je regarde la première position, je compare à la deuxième, troisième, nanana, puis je trouve la plus petite valeur. Quand je l'ai trouvée, j'échange. Quand j'ai fait une première passe sur le tableau, j'ai la plus petite valeur. Mon tableau, il est trié jusqu'à la première position. Je m'en vais à la deuxième. Je regarde dans le reste, je trouve la plus petite valeur. J'échange les positions. Éventuellement, je me rendrai jusqu'à la fin du tableau et mon tableau sera en ordre croissant. Tout ce qui change dans l'algorithme, c'est comment je compare des éléments entre eux. Comment j'ai dit, l'élément à la position I, est-ce qu'il est plus petit que l'élément à la position J? Quand c'était des personnes, je les ai peut-être triées en ordre alphabétique, en ordre de numéro d'assurance sociale, peu importe. Quand j'ai comparé des cartes, peut-être j'ai utilisé le rang. Quand j'ai comparé
des items dans un magasin, j'ai probablement utilisé leur numéro de série ou quelque chose comme ça. OK, donc, on veut, puis ça, ça va être puissant parce que ça serait vraiment absurde et bête de réécrire un algorithme de tri à chaque fois qu'on a un nouveau type de données. J'ai un nouveau tableau, c'est un tableau de jetons, j'écris un nouvel algorithme, ça serait tellement bête parce qu'il serait le même algorithme, j'aurais juste fait un « find and replace » pour trouver les endroits où je comparais des valeurs. Fait qu'on va se trouver une façon intelligente de faire ces choses-là. Puis la façon intelligente, ça va être de dire, de se déclarer une interface comparable. C'est-à-dire, les choses qui sont comparables sont des choses qui possèdent une méthode « compare to ». Logique. C'est comparable, c'est une méthode « compare to ». Une méthode « compare to », ça va comparer cet objet-ci à un autre comparable. Fait que ça, c'est un contrat. On dit, le contrat comparable, c'est tu dois posséder une méthode « compare to » qui reçoit une référence vers un autre machin comparable. Puis là, on va retourner un entier. Puis la logique va être, si ceci est plus petit que cela, c'est moins 1. Si ceci et cela sont égales, on va retourner 0. Et si ceci est plus grand que cela, on va retourner une valeur positive, comme plus 1. En UML, on va dessiner ça comme ça. On va dire, j'ai une interface, elle s'appelle comparable. Elle déclare la méthode compare to et j'ai deux réalisations. Personne réalise comparable et time réalise comparable. Eh bien, ça ne marche toujours pas. OK. Puisque le type comparable a été déclaré, je suis capable d'implémenter un algorithme de tri. En voici un, je vous fais le tour de mon algorithme. C'est un tri par sélection, c'est un des plus faciles. Donc, A est de type référence vers un tableau de comparables. Je parcours ce tableau-là. Donc, il y a deux boucles. Il y a une boucle externe et une boucle interne. La boucle externe, je l'appelle la boucle lente. Pour chaque mouvement de la boucle extérieure, je vais faire des déplacements de la position, si ça c'est i, de la position i plus 1 jusqu'à la fin. Avance la boucle extérieure, je vais jusqu'à la fin. Avance, je vais jusqu'à la fin. Le but de la boucle intérieure, c'est d'aller trouver le plus petit élément. OK, donc, pour i égale à 0, tant que i est plus petit que la longueur de ce tableau-là, on exécute le corps de la boucle. Ici, je vais mémoriser la position de l'élément le plus petit. Au début, je vais dire, bien, c'est la position courante. Min est égal à i. Ensuite, je vais balayer le reste du tableau, donc de j égale à i plus 1 jusqu'à la fin. Puis là, la grande idée ici, c'est je peux maintenant appeler la méthode compare to de l'élément à la position A de I en lui proposant comme argument A de min. Donc, A est une référence vers un tableau dont tous les éléments sont des comparables. S'ils sont des comparables, ils possèdent une méthode compare to. Je peux donc l'utiliser ici. Donc là, si j'ai trouvé que l'élément à la position J était plus petit que l'élément à la position... Non, était, si l'élément à la position J est plus petit, c'est ça, que le minimum jusqu'à maintenant,
J devient mon nouveau minimum, donc je sauvegarde la valeur de J dans min. À la fin de ma boucle, je vais faire l'échange. Je vais mettre à la position min ce qui était à la position I, et à la position I, je vais prendre ce qui était le minimum. Donc, c'est un algorithme suffisamment simple qui tienne dans une page ici. Ce n'est pas le plus efficace des algorithmes de tri, mais il est simple à comprendre. Puis donc, la grande idée ici, c'est j'ai conçu un algorithme de tri, je l'ai écrit une seule fois, il reçoit en paramètre la référence d'un tableau d'objets implémentant l'interface comparable. Si je veux utiliser ce tri-là, j'ai une chose à faire, c'est modifier ma classe puis dire « implement comparable ». Fait que là, moi, dans un problème donné, j'avais des objets temps à sauvegarder. Je voulais trier un tableau d'objets temps. J'avais deux choix. J'aurais pu écrire un algorithme de tri moi-même. Pas une super idée parce que quand on écrit soi-même un nouvel algorithme, au début, il y a des bugs. Quand on a un algorithme qui a été bien rodé, testé par des millions de personnes, on commence à croire qu'il est robuste et qu'il n'y a peut-être pas de bugs. Fait que là, ici, soit que j'écris un algorithme de tri moi-même ou soit que j'utilise celui qui existe. Pour utiliser celui qui existe, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire « ma classe, time, réalise l'interface comparable ». Comparable, c'est un contrat. La seule façon que je peux compiler maintenant la classe time, c'est en donnant une implémentation de la méthode compareTo. Puis dans ce cas-ci, j'avais une implémentation du temps où le temps était représenté en nombre de secondes totales. Fait que c'était super simple de dire, si il y a moins de secondes dans cet objet-ci que dans l'autre, bien, il est plus petit. S'ils sont égales, bien, je retourne 0. Et sinon, je retourne 1. Fait que je n'ai eu qu'à faire une seule chose, c'est de réaliser l'interface comparable pour utiliser le tri. Un autre projet sur lequel je travaille, j'ai maintenant des objets personnes à représenter en mémoire. J'ai un tableau qui contient des objets personnes. Je voudrais être en mesure de le trier. Je n'ai qu'à modifier ma classe personne et de dire « réalise l'interface comparable ». La seule façon que je peux compiler maintenant personne, c'est en fournissant une implémentation pour « compareTo ». Dans ce cas-ci, je voulais comparer des identifiants, par exemple. Je dis « si le numéro d'étudiant de cette personne-là est plus petit que l'autre, ben voilà ». S'ils sont égaux, ben, je retourne 0, etc. C'est assez fort quand même comme idée. Permet de faire des choses. Donc, il y avait l'idée de, je peux séparer l'utilisation de l'implémentation. Dans le premier cas, j'avais deux implémentations pour pair. Puis là, je pouvais les comparer. Laquelle j'aime le mieux, laquelle je trouve la plus élégante, etc. Dans ce cas-ci, c'est encore plus fort parce que j'ai pu écrire un algorithme de tri. Je l'ai mis dans une librairie, puis je le rends disponible au reste du monde. Toute personne souhaitant utiliser l'algorithme de tri a simplement qu'à implémenter une méthode compareTo. Et là, il y a une belle... Pour moi, je vois ça de façon assez mathématique. Là, il y a une belle relation qui existe entre la méthode de tri et l'interface comparable. La méthode de tri a un paramètre de type comparable. Dans le code, on s'est assuré que quand on utilise des références vers ces objets-là, on utilise seulement comme compareTo.
quand on passe quelque chose à la méthode de tri, les seuls objets qui sont valides pour être passés en paramètres sont des objets d'une classe qui réalisent l'interface comparable. Donc, on a vraiment tout bien ficelé. Il est impossible que ce programme-là qu'on a écrit génère des erreurs de type. Tout a été validé. On ne peut pas compiler les programmes qui réalisent l'interface, à moins que chacune des méthodes soit implémentée. On ne peut pas mettre dans une variable déclarée de type interface des choses qui ne réalisent pas l'interface. Il est donc, au niveau des types, impossible qu'il y ait des erreurs. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un autre exemple. Je vais essayer de vous vendre cette belle idée-là. Ça m'est venu, je pense, durant... On avait un lockdown l'an passé où ça a été un peu épeurant à l'université. Puis, j'ai eu cette idée-là pour cet exemple-là. Donc, il n'est pas joyeux, mais il marche. Donc, imaginez, vous êtes un programmeur, vous êtes embauché par l'université, puis on dit, l'université veut implémenter un serveur pour la gestion des messages d'alerte. Okay? Donc, moi, sur mon ordinateur au travail, sur le laptop aussi, j'ai un programme qui tourne, puis s'il y a une alerte à l'université, mon écran gèle, puis ça dit « alerte, mets-toi en dessous de ton bureau, fais quelque chose ». Donc, il y a un message d'alerte qui est là. C'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas juste pousser les messages d'alerte vers les ordinateurs de bureau. On veut faire en sorte que les applications sur les téléphones reçoivent des messages d'alerte. On veut faire en sorte que les montres intelligentes reçoivent les alertes. Je veux écrire un serveur d'alerte, un seul, puis je veux que tout client qui veut recevoir les alertes s'inscrive. Donc, mon téléphone dit « Hey, moi, je veux vraiment là, recevoir les messages d'alerte. Enregistre-moi. » OK. Mon ordinateur de bureau ou mon laptop dit au serveur « S'il y a une alerte, je veux que tu me le dises. » Ma montre intelligente veut s'inscrire au serveur, veut dire « S'il se passe quelque chose, je veux que tu me le dises. » Il nous faut donc standardiser les choses. Vous êtes le serveur. Vous voulez parler à tous ces objets-là, à tous ces ordinateurs-là. Ça serait drôlement plus facile si chacun d'eux avait une méthode qui avait un nom bien défini. Oui? Ça serait vraiment bizarre si, quand je veux parler à la montre, je lui envoie un certain type de message. Si je veux parler à l'ordinateur, c'est quelque chose d'autre. Ce serait ingérable. On a besoin d'un mécanisme où on dit, les gens qui veulent recevoir des alertes doivent posséder une méthode qui s'appelle Process Alert, qui a un paramètre de type chaîne qui s'appelle message. Je suis une application sur une montre intelligente. Je veux recevoir des messages d'alerte du serveur. Je vais dire OK, je vais implémenter l'interface Alert Listener. Je suis une tablette, je suis un ordinateur portable. Je veux recevoir des messages d'alerte. Je vais implémenter ça. Qu'est-ce que ça me force en retour? Si j'implémente l'interface Alert Listener, la seule façon que mon code compile, c'est si je donne une implémentation pour Process Alert.
Donc, on a un exemple ici. Phone app implements alert listener. Je suis quelqu'un qui peut écouter pour des messages d'alerte. J'implémente la méthode process alert. Puis pour que ce soit clair, ici, j'ai phone app, un message. Web app. J'ai une application web qui veut afficher en haut dans les pages web de l'université une bannière qui dit « il y a une alerte, tout le monde en dessous de vos tables ». Web app implements alert listener est obligé d'avoir une méthode qui s'appelle process alert qui a un paramètre de type chaîne. Mon serveur, je vais avoir un tableau dont les éléments sont de type alert listener, des choses qui possèdent une méthode process alert. Dans mon constructeur, ici on me dit c'est quoi la capacité, je vais créer mon tableau. Initialement, j'ai zéro client. Mon serveur a un tableau, il est suffisamment grand. Au début, il n'y a pas de client. Un client peut s'enregistrer à l'aide de la méthode register. Il appelle le serveur, puis le client doit être un objet qui réalise l'interface Alert Listener. Donc, cet objet-là possède une méthode qui s'appelle Process Alert. Je vais sauvegarder le client qui s'est enregistré dans mon tableau. J'ai ici une méthode qui s'appelle Broadcast. Quand on va appeler la méthode Broadcast du serveur en lui passant un message, le serveur va communiquer avec tous les objets qui se sont enregistrés et va appeler leur méthode Process Alert. J'ai un petit test ici. Donc, j'ai créé un serveur, Alert Server. Je lui dis ta capacité, c'est 2. Tu as juste besoin de mémoriser deux éléments. Si j'en avais voulu 50, j'aurais mis 50. J'ai créé un objet phone app. J'ai créé un objet web app. J'ai fait register phone auprès de serveur. J'ai appelé la méthode register de l'objet serveur. Je lui ai passé la référence de l'objet désigné par phone. Ça a marché puisque Phone implémente Alert Listener, possède sa méthode Process Alert. J'ai pu enregistrer le serveur. Je fais maintenant un appel à Broadcast. Broadcast va parcourir le tableau, puis pour chaque élément, va donc appeler la méthode Process Alert. Dans ce cas-ci, mon message c'était test et le téléphone a affiché l'information. Le web app a affiché l'information. Et si on avait eu des stations de travail qui se seraient enregistrées, ils auraient affiché l'information. Et si on avait eu des montres intelligentes, ils se seraient affichés là. Donc, on a ici une belle construction logicielle où on avait une interface qui nous a permis de dire clairement, qu'est-ce qui était essentiel pour s'enregistrer auprès du serveur? Tout objet possédant une méthode Process Alert peut s'enregistrer, de sorte que quand il y a un message d'alerte, le serveur va appeler cette méthode-là. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que vous avez un test en 13:48. 13:17? 17:48. Oh, 17. OK, bien, 13, c'est la version anglaise. C'est la même chose pour moi. C'est un cours super important pour informatique. Donc, si vous avez des questions, je vais être à l'extérieur. Puis sinon, bien, bonne chance tout le monde dans votre test.